Carole Checchetto et Linda Latteur. Nous venons du 91. Linda est la pilote et je suis la copilote. Alors, on fait partie de l'équipage numéro 38. On va rouler là pour la première année à bord d'une AC Cobra de 1965. Je suis pilote et Régine est copilote. On est amis et aussi collègues de travail depuis 9 ans. En fait, on a décidé toutes les deux d'acquérir une jolie MGB de 1963 et de faire le rallye des princesses ensemble pour la première fois. Alors nous sommes avec une Austin Healey de 1961. C'est la troisième fois qu'on fait le rallye des princesses avec cette voiture. Nous avons, je pense, le binôme le plus atypique, peut-être aussi le plus sportif, puisque nous ne nous connaissions pas il y a 48 heures. Donc c'est notre deuxième participation aux Princesses ensemble. L'année dernière, on avait une TR6 et on a fini troisième au général. On a déjà fait le rallye aussi, donc c'est pas une totale découverte. Ça c'est vrai. Et la voiture aussi. En fait, on est trois à avoir déjà fait le rallye. Oui, c'est notre première participation au rallye des Princesses avec une Alfa Romeo 2600 Speeder. Alors nos objectifs, on n'en a pas en termes de place. L'objectif qui nous ferait le plus plaisir, c'est de faire aucun demi-tour. Nos objectifs, c'est bien profiter et faire le maximum pour avoir le meilleur classement sans instrument de navigation, puisqu'il ne me fonctionne pas dès le jour du départ. Voilà. L'objectif principal, c'est déjà de ne pas se perdre, donc de ne pas avoir un demi-tour à faire. Ça, c'est l'objectif principal. Ensuite, si on pouvait gagner une étape ou être classé dans les trois premières, ça serait super. On ne va pas partir faire un rallye sans jouer la gagne. On va juste prévoir les plans B, et ça, au niveau plan B, on est toujours au top, puisque chaque année, depuis 3 ans, nous avons des soucis si techniques. C'est pas la technique. Alors en 3 mots, on dirait élégance, navigation et amitié. Passion, chic et glamour. Des résultats, du rosé et du champagne, et des belles autos. Bonne chance. Courage. Chez moi, on dit courage.